Ah ouais. Les nouvelles du côté de Conakry, après le départ du président Diomaye Faye du Sénégal, Kefimba Mamadi Doumbouya, là il m'a dit, ben ce qu'on attend, les nouvelles du palais ne sont pas du tout bonnes. Voilà. On vous a parlé en général des forces spéciales. Beaucoup parmi ces gens prennent la poudre. Vous savez de quoi je parle. La poudre. Poudre blanche. Et Mamadi aujourd'hui, quand il prend ça, il ne contrôle rien du tout. Selon les informations, au palais là-bas, quand il prend ça, il ne fait qu'insulter. Adi Moussoumanen, Nikouma Soubedoke, Guinekoumbi. Vous savez, Mriyo Nasetongo, Imouniar Nanara, des fois, quand Mamadi sort, on sent même la fatigue. On sent la fatigue à Mamadi. Il ne se répond. Vous sentez vraiment que Mamadi est fatigué. Même quand vous regardez la photo, vous sentez, ça c'était avec Diomaye Faye, vous sentez la fatigue à Mamadi. Obarato. Situation forcée, mané. Hein? Donc, franchement, essayez les proches de Mamadi là. Vous ne pouvez pas faire disparaître la drogue. Altesse mou bola kerefe. Et ce qui est choquant dans tout ça là, Adja Mandjoura, la maman de Doumbouya, ça fait 2 jours maintenant, elle veut voir son enfant. Demandez. Ah, vous allez dire, ah, comment le champion, comment Damaro fait pour être au courant de tout ça? Bientôt la fête, il y a les préparatifs. Vous savez, la maman aussi, d'autres doivent aller à la Mecque. Il y a tout ça là. D'autres doivent aller. Mais ça fait 2 jours, la maman, les cocos d'à côté là, ont fait tout jusqu'à présent. La maman, Adja Mandjoura, n'a pas vu son fils d'abord. Alors, sa partie de la tour même est sortie. Voilà. Ils ont beau cacher. On va beau cacher Doumbouya aux autres, aux ministres, à ceux qui veulent des postes, ceux qui veulent des contrats. Mais sa maman, ah là, c'est grave, hein. Et Altadia Mandjoura, tu es à Wadénie. Hein? Doumbouya Kadia, Alinyanyaka. Adidia, Alinyakatimana Koka. Vous les cocos là, quel que soit l'amour que vous avez pour Mamadi là, est-ce que vous l'aimez plus que sa maman? S'il a pris la poudre, laissez sa maman aller. Laissez sa maman aller voir son enfant. Va aller voir son enfant. Mais c'est quand maintenant Mamadi va se retrouver maintenant, ils vont lui laisser venir s'arrêter devant les gens comme d'habitude et comme sur cette photo. Vous sentez le monsieur, il est. Même quand vous le voyez, vous sentez qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, qu'il est traumatisé. Hein? Regardez les visages de Mamadi. Quelqu'un qui est serein là n'a pas le visage de quelqu'un qui est serein. Ça, ce n'est pas le visage de quelqu'un qui est serein. C'est quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est inquiet. Déboussolé, vous voyez très bien. Mbarafoualignana, vous ne pouvez rien nous cacher. Vous ne pouvez rien nous cacher. Vous, les cocos là. Kwalie Adja Mandjoura Toye, Denye. Voilà. Laissez Adja Mandjoura aller voir son enfant. C'est ce qu'on vous demande. Hein, les cocos là. Ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Et les éléments des forces spéciales,
Je vous ai dit de laisser la drogue. Au drogue Luna. Le groupe de Sege. Le groupe de Sege. Élément de force spéciale Sege. Laissez la drogue. Aura élément Biri. Aura photo. Aura vidéo Yati Nanira. Menta Mgira Lima. Mgira Simane. Mba nga fala obe. Una nagam fari. Vous ne pouvez pas dire qu'à off. Sembe na otanani. Aura comportement mato. Drogue. Aura li kunakana. Ko otanana jibor jerefe. Un éléphant saoulé. Hein? Sili. No daru. Biri na conséquence kokolo. Vous devez être des modèles. Sege noara élémé. Des fois, Baba Bari, anondina na ofari men. C'est vrai que j'attaque Baba. Mais Baba, il a raison sur vous des fois. Parce que vous êtes indiscipliné. On a fait une réfari. On est sur la boîte cul, pagaille, béré, drogue. Aura finkare tongo, wa dorodette. Pour que aura béré sari, à nous drogue sari soto. Peut-être un homme a mis ses falades la Guinée feta. Avec des comportements pareils. Avec des comportements pareils. On dit, vous êtes les éléments des forces spéciales, voilà, vous êtes bien armés, bien habillés, mais aura comportement béré. La Guinée armée Tamouna Rabama. Prendre vos armes, allez confier à des vendeurs de drogue, et la drogue se otanira. Malgré tout, l'argent de prime qu'on vous donne, Obarato, Vio Mouira. On vous donne des primes. D'ailleurs, le 27, ils ont commencé à payer par les forces spéciales d'abord. Parce que Ekolo, Etanana Mamadi, cette manière, nous connaissons Kunina Boula Manafeta. Mais aura comportement, Wada. Mara Fala Obert. Mérina Nira Irebir. Palais Kumeni. Makambo. Kasa Ayirebir. Je veux l'information à ce moment-là. On a colo. N'a pas fait la ma oyata colo. Donc, nous avons un conseil à faire. Sege n'a bourré. Walu. Au Massara. Au drogue Luna. Aura vie. Ou à Tomane Yakos. Cobre n'a pas soma. Prime n'a pas soma. Ouira. Aura salaire. N'a guiné fait. N'a mis ce soma. Ouira. Na Guinefe, na mise soma ouira. Na mise soma ouira. Obara ouga vikuna kana. Nanara onu fa comportement bidondi. Moi je pensais que non, c'est Baba Bari qui n'avait pas raison sur vous. Parce que etono osugumana ki esiga o balamene. O a comportement d'indiscipline. Ya non dina Baba Bari nambe. Concernant. Na correction sur vous. Vous savez, j'avais donné l'information. Et au Suguma, et au Rani Mameni. Mais, à toi Suguma, fait na ramfari. Au Rana, indiscipline. Drogue tongo fait. Au Siga boîte cuit, au pagaye, au finkar tongo, au Siga drogo. Comportement mundo naki. Après ça, on dit non, c'est les forces spéciales, c'est vous qui commandez. Voilà, le pays est commandé. Autant droguer, autant on m'a payé mon dos géré. Au soulèvre, on m'a payé mon dos géré. Marafala Obego, aura vidéo nanira, aura photo nanira. Moi je conseille, prochaine fois, c'est vos photos là, je vais publier devant les Guinéens. Aura vidéo, nanambirim postema. Aura vidéo, aura photo, parce que nana kanibe. Kai megira sima, ima kai kanama, ya doze mane, I conseil nan fima. Mais nous, osa kenema, naga un conseil naga falama, ça n'a plus d'importance. Si je viens vous exposer d'une manière, c'est que mes conseils n'ont plus d'importance. Mais ça, c'est juste un avertissement pour vous. Hein? Ça, c'est pour que aura rééduqué. Parce que onu drogue luna yakos. Au fini, mané, hakli ma fanyi nanna. Mais où c'est ce mouna ou kouni? Onu ge drogue tongo de Guinefe. Guinefe, ande nyanga machandise photo nam yirebiri.
Mara fala be obego. Ha, sage. O akhli sotogo. O akhli soto jifetama. O akhli soto jifetama. Adad. Adad. O akhli soto jifema. O akhli soto. Element adad. Sage. Nabore. Spawn ba. O birin. Oga element imen. O akhli soto. O akhli soto. O drog luna. O drog tan luna. O drog tan luna feu. Notre vidéo là-bas, la dernière fois, c'est moi qui ai accusé Baba. Parce que, Eto aura élément de Soukou, moi je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi on les a pris. Déjà, c'est pour l'affaire de drogue, parce que, Abara chronique au Fatih Diller. Vous ne pouvez pas, l'argent qu'on vous donne, des fois on vous donne 2 millions par semaine, on vous donne vos primes de combien de millions? Vous ne pouvez pas aller manger au Faté Mato Kuna Kanare, malgré que on a présidence mène et Febri Soma Ouyira. Au Kuna Kanare, force spéciale. Regardez les premiers éléments. Nenna Kianare. Mais Otamato Kuna Kanare. On a gagné la drogue mine, Omo Magama, Omo Magama. Osiga Guinefé Raba. Oma Nouma Nakina, Onyamu. Douche Tongoma. Oman fana tenu tongo, o fadoro, palé men. Donc, conseil nana kigo, alo na fala go beke anaga, ora video ina nyira, ora photo ina nyira, ka omu lara, ona naga mfare wa répéter, hein? Prochainement, ora photo, ora video, ona atan yembe nyak mi maki anaga, nana sama, la gine kabirin ya wari, e fato sono. Megi model naga na ora. Quel genre de personne vous êtes? Parce que Meribara aura si, au ma même. Yeah. Non, Dobré, on parle de nos éléments de force spéciale, les petits de Doumbouya. Vous savez, chaque fois, je parle de ces gens-là. J'ai une fois fait la vidéo concernant leur patron. On avait arrêté certains éléments parmi eux. Ben, je n'avais pas toute l'information concernant les arrestations. Maintenant, c'est des éléments indisciplinés qui ne font que se saouler seulement, prendre de la drogue. Et à chaque fois, ils sont dans l'équipe. Voilà. Donc, moi, quand je dis quelque chose et que j'ai la suite de l'information, je viens, voilà, j'accompagne. Parce que j'avais mis la pression sur l'autre concernant les arrestations. Ce sont ces éléments-là qui vont pour confier leurs armes à des revendeurs de drogue. Et c'est pourquoi quand ils sont drogués, ils vont faire de n'importe quoi. Vous vous rappelez, deux éléments des forces spéciales ont commis des crimes. À Sangoya, ils avaient tué un jeune. Ça, tout le monde est témoin de ça. À Koya, encore, ils avaient tué un jeune, un élément des forces spéciales. C'est parce qu'ils sont saoulés. Si vous me voyez, sinon moi, je n'ai même pas d'importance à parler de ça. Je n'ai pas d'importance. C'est parce que j'ai parlé de l'arrestation de certains jeunes. Maintenant que j'ai toute l'information, ce sont des jeunes indisciplinés qui prennent la drogue et qui sont incontrôlables quand ils sont dans la société, dans les quartiers. Ils pensent que non, ils ont droit à tout. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, c'est pour dire que leur patron a parfaitement raison sur eux. Voilà. Et s'ils n'arrêtent pas, les images que j'ai, les photos qu'on m'a envoyées, où ils sont en train de se droguer, alors c'est ce que je vais mettre devant le peuple de Guinée. Et comme ça, Amoufalama Damaro Woulenam Falare, Nanansama Berengato et Nanaram Farimène. Quand je dis que le pays est foutu, et quand on va dire à des gens comme ça, des personnes saoulées comme ça, et sortir, ils vont aller réprimer la population parce que parce qu'il y a la drogue, ils sont sous l'influence de la drogue. Donc moi, je suis en train de les aider
pour qu'il revienne à la raison. Il a fini Adam a dit normal. Drogta, il a naluna. Il a bas drogta, il a bas gafé, il a fin carré. Donc, il fait dette. Donc, dites à ces gens-là de revenir. Maintenant, on va revenir sur la sortie de Lansana Kouyaté. Et aussi le poste de Eli Kamano. Le poste de Eli Kamano. On avait dit ici au Guinée, la vérité finira toujours à triompher. Mais nous allons écouter quelques extraits de Lansana Kouyaté. Nous allons commenter sur ça ensemble. Parce que beaucoup n'ont pas vu. Je ne sais pas si ça a été exagérément utilisé. Comment voulez-vous que je réponde? S'ils l'ont fait exagérément, l'État le sait. La première question, que vous dites, monsieur le président, le retrait des licences d'un certain nombre de médias, quelle est la position du président? Avant la position, je lance un appel. Un appel aux Guinéens, du gouvernement jusqu'au dernier citoyen. Comportons-nous en responsable et en adulte. Dans un pays, je dis bien dans un pays, le droit qu'on a... Et Keita, le Sparta, vous qui dites qu'il n'y a pas de volume, vous savez qu'il y a une restriction aujourd'hui. Si vous êtes en Guinée et que vous n'arrivez pas à nous écouter, c'est très simple. Sortez du direct et rentrez encore. Voilà. Vous savez que moi, ce n'est pas le nom qui s'affichait dans mes lives avant, mais je le fais malgré. Malgré qu'ils font tout, moi je me bats à ma manière. Quand je finis, les gens, mes pages sont déjà connues. Donc si vous ne recevez pas de son chez vous là-bas, sortez du live et revenez encore. Donc moi je ne peux rien faire concernant cela. C'est un nouveau téléphone que j'utilise. Voilà, donc essayez de comprendre cela. On doit l'utiliser avec beaucoup de sagesse. Après avoir étudié tous les contours, ce n'est pas la lutte entre la raison et le tort. Quand on a un droit, il faut savoir comment en utiliser. Je ne connais merci pas. Merci à tout le monde, j'ai compris. Soumaro, Kumba, Papirumba, merci à tout le monde. J'ai vu Bangali. Devant la presse, j'avais dit. Bangali qui est au Libéria, il dit ça va. Merci à tout le monde. La presse est le quatrième pouvoir. Après l'exécutif. Après le législatif, après le judiciaire, il y a la presse. Dans votre... Vous savez pourquoi je joue l'interview de M. Kouyaté? Il commence à revenir à la raison. Vous vous rappelez toutes mes vidéos? Je les appelais comment? Pour ceux qui me suivent, ceux qui sont réguliers sur ma page ici, je les ai appelés toujours Sere Nyangbo. Mais il a compris. Jusqu'à présent, eux, ils pensaient que non, Mamadi avait la volonté d'organiser des élections parce qu'on ne parle pas de sa candidature. Et si on dit que El Asseloudal est éliminé, les docteurs Kassori, Kouyaté se sentait favori. C'est pourquoi il se faisait aveugle sur tout ce qui se passait. Mais ils ont compris qu'il n'y a pas la volonté d'aller au retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, Monsieur Kouyaté, vous voyez maintenant, c'est sorti de maintenant et c'est sorti d'avant. C'est comme la presse. Je vous ai dit le nom, c'est-à-dire Yama Tangbo Mané. Akhlima Efa Mané Mouta Akhlima Efa Moulina. Parce que Mouta Torna Rakuya, nous on a vu venir tout ça. On avait vu venir tout ça. C'est pourquoi Mouta Mégeré m'a dit. Moi, c'est pourquoi je ne vais pas venir dire c'est bien fait pour vous. Qu'est-ce que je gagne dedans? Il va venir, on va dire, monsieur, bienvenue. Parce qu'ils ont tous compris maintenant que Mamadi... Eux, ils voulaient que non, Dr. Kassori soit éliminé, celui soit éliminé, Mamadi va organiser des élections, eux, ils sont favoris. Mais ils ne sont pas favoris devant Seloudalé. Ils ne sont pas favoris devant le candidat du RPG. Ils ne sont pas favoris devant Sidia. Et dans le favoritisme, il faut éliminer les autres. Mais ils ont compris que Mamadi, ce n'est pas ça le jeu que Mamadi veut faire. Maintenant, ils commencent à se positionner.
Écoutons vers la fin de... Voilà, où ils vont lui poser des questions, des bonnes questions. Voilà. Une minute, je vais vous faire écouter. Pour ceux qui veulent voir l'intégralité de son interview. Le Congrès n'a pas décidé que ça soit sur l'ensemble des États, mais on a dit chaque... Ceux qui veulent suivre l'intégralité, vous pouvez aller sur Reflect Guinée. Voilà, ils ont posté tout le contenu. On chantait, on dansait. Mais l'islam est venu. On l'a adopté, pour ceux qui l'ont adopté. Et nous avons dit, il ne faut plus chanter n'importe quel chant. Il faut transformer ça en cantique, les baïti. Il n'y a pas de baïti chez les Arabes. Il n'y en a pas. Ça, c'est du syncrétisme religieux. Le syncrétisme démocratique, c'est quoi? La démocratie américaine, en dehors des grands piliers qui peuvent caractériser la démocratie, il y a la démocratie, les différentes variations. La démocratie, en ce domaine, la démocratie américaine, quand on prend le détail, elle est différente de la démocratie française, qui est différente de l'allemande, qui est différente de la Suisse, qui est différente de la japonaise. Chaque démocratie a sa spécificité. Allez aux États-Unis, vous allez voir ça. Dans l'État d'Utah, même si la polygamie est interdite dans la Constitution, mais allez dans l'État d'Utah, la polygamie est permise jusqu'à 10. 10 femmes. Logeant dans la même maison, vous le savez. La peine de mort a été... Le Congrès n'a pas décidé que ça soit sur l'ensemble des États, mais on a dit chaque État applique la loi. Ceux qui veulent qu'il y ait peine de mort, continuent avec. Mais ceux qui veulent l'interdire n'ont qu'à l'interdire. La peine de mort n'est pas appliquée partout aux États-Unis, dans chaque État. Les États qui ne l'appliquent pas, ils sont dans leur droit. Parce que c'est un État composé et un composé d'États. En France, quand la peine de mort a été abolie par sous Mitterrand de la justice, j'ai oublié son nom, quand il l'a fait, tout le monde l'a salué. Les étapes avaient commencé déjà sous d'autres qui sont venus. Mais une fois que la loi a été adoptée, est-ce qu'il y a une seule partie de la France où elle n'est pas appliquée? Ça veut dire qu'il y a des différences. Des gangsters qui sont recherchés par la police fédérale aux États-Unis, dès que tu arrives dans l'État d'Utah, on ne te suit plus. C'est la règle. En gros, je veux dire ceci. Ne pensez pas que l'absolu est absolu. Ne pensez pas que le relatif n'est que relatif. C'est la conjugaison de tout ça, avec la bonne foi, qui amène la compréhension. Je soutiens la presse dans ses droits. Je soutiens la presse dans ses droits, mais quand ces droits, je ne sais pas si ça a été exagérément utilisé, comment voulez-vous que je réponde? S'ils l'ont fait exagérément, l'État le sait, mais je souhaite que une entité comme l'autre vienne à la raison et que, respectant le devoir d'information, qu'on n'aille pas jusqu'à retirer, n'est-ce pas, les agréments donnés à la presse. Bon, c'était M. Lansana Kouyaté de PDN. Voilà. Vous avez tout suivi. Je n'ai pas mis toute l'intégralité, c'est près de 8 minutes. Donc, il a dit à M. Baouri qu'il y a déjà eu glissement. Si vous vous rappelez, avant que les 2 ans ne soient imposés ou les putschistes même eux-mêmes n'acceptent les 2 ans, ils avaient déjà fait 1 année 3 mois. Donc on ne peut plus parler de glissement. Ça veut dire qu'on n'était pas prêt. On a fait 1 année 3 mois. Il n'y a pas d'excuse pour venir nous dire aujourd'hui que non, ces bandits-là ne sont pas prêts. Il n'y a pas de volonté. Et je l'ai dit au peuple de Guinée, arrêtez de vous fatiguer.
Les gens là sont conscients de tout. Ils font exprès. Ils ne connaissent que la réaction, la force. Mais tant que le peuple de Guinée est assis, ah, Guéré Moufa, ah, Mengaya Alanara, Nana Figuia Woye, Dieu n'a pas dit d'imposer des cafres à la tête du pays, hein, des incompétents. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de choisir le meilleur d'entre nous. De choisir. Dieu n'a jamais, il n'y a jamais d'imposition pour dire ici, faites ça. Non. Choisissez le meilleur d'entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il nous a demandé. Mais pas dire des bandits, des vauriens, de venir imposer des vauriens, des tocas, des bons à rien à la tête du pays. Non. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Ceux qui n'avaient pas compris hier, là, comme les Lansana Kouyaté, qu'est-ce que les médias n'ont pas dit ici? Quel éloge les médias n'ont pas fait ici? Ah, Mamadou Doumbouya, le Thomas Sankara, le Johnny Rawlings, le Nanani Nanana. Mais en fin de compte, Assorne et Birinde, et Nagam Fala, et Nagana Minere. Ce que le président Alpha Condé, malgré les critiques de Moussa Moïse, ils l'ont menacé, ils l'ont effrayé. Mais les 11 ans du président Alpha Condé, ils n'ont pas retiré la licence des médias, ils n'ont pas arrêté un journaliste, ils n'ont pas enfermé un journaliste. Voici la vérité qui est devant tout le peuple. Quand on disait au début du coup d'État que la vérité triomphera, que ce que les menteurs, les bandits, les voleurs, les gangsters du 5 septembre ont dit au peuple de Guinée et à la communauté internationale que la vérité allait triompher. Ce n'est pas cette vérité qui est là. Les grands supporters du CNRD, eux-mêmes, ils ont compris. Mais c'est là, ça n'a rien été là. La presse toute entière ont soutenu ces bandits-là. Ils sont revenus à la raison. Et nanana qui non dit nanana qui. Vous avez enlevé un régime. Non, les Guinéens souffraient. Il n'y avait pas de justice. Hein? Aujourd'hui, on impose 3 conditions aux médias s'ils veulent faire leur retour. Bientôt, ils vont être des animateurs culturels. D'abord, on leur dit de ne plus parler du chronogramme du glissement de la transition. De ne plus parler de la justice quand ils disent que la justice est instrumentalisée et qu'ils parlent des anciens dignitaires. Vous savez, le peuple se réveille. Le peuple comprend que ces gens ont été injustement arrêtés et ça, ça ne les fait pas, voilà, tu vois, faveur. Donc, ils ont imposé à ce que si les médias veulent revenir encore, reprendre leur job, ils ne doivent plus parler de ce côté. Et ils ne doivent plus parler de la gestion du CNRD. Vous avez vu ces jours derniers, quand ils ont commencé à sortir des gros dossiers de corruption, de marché de gré à gré, et là, ça... Vous savez, vous attrapez déjà les Damaro, les Dr. Kassori, Dr. Diané, des personnalités comme ça, vous les mettez en prison. Vous n'avez même pas leur niveau d'études. Vous n'êtes pas plus croyant que ces gens. Vous ne pouvez rien apporter à la Guinée, ce que ces gens-là n'ont pas apporté. Mais comme les médias ont compris, vous dites que vous reprochez aux autres d'avoir détourné. Vous parlez de corruption, mais pour vous, c'est flagrant. Des montants qui donnent vraiment de vertige aux Guinéens. Voilà. Donc, voici les 3 points que le CNRD ne veut pas que les médias en parlent. Mais ça veut dire que c'est qu'il n'y aura plus de presse. Si les médias ne doivent plus parler de la gestion des putschistes, ne doivent plus parler de la justice, ne doivent plus parler du chronogramme, qu'ils viennent comme ça, qu'ils s'asseyent, mais je crois qu'un Lincoln ne va pas l'accepter, un Mohamed Mara ne va pas l'accepter, un Habib Marwan, un Babila, tous ces grands journalistes-là, ils ne vont pas l'accepter. Soit, ils préfèrent être, bon, comme on a même métier actuellement, même les Tamba Zakaria, tout le monde est devenu blogueur actuellement. Comme il y a d'autres, les Roubis là se foutaient des blogueurs. Alors, on est tous devenus blogueurs. Il n'y a pas journaliste à l'air là. Nous sommes tous des blogueurs. Chacun prend son téléphone. Voilà, la liberté d'expression, on est libre de dire ce qu'on veut. Donc, la vérité a triomphé. Voilà, et on va parler encore de l'autre. Eli Kamano, j'ai dit le pays là intéressant, hein. La Guinée. Eli Kamano, vous avez tous vu dès le début, lui-même,
lui aussi doit passer devant la CRIEF parce que on lui a donné près de 2 milliards. Il n'a pas, jusqu'à présent, il ne nous a pas dit ce qu'il a fait avec les 2 milliards. Il avait dit qu'il avait son organisation humanitaire. Mais lorsque les médias lui ont posé comment il a réparti l'argent, là, on n'a rien vu dedans. Voici son poste qu'il dit. Ça, c'est sur sa page. Hein. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Voilà. Donc, voici. C'est la page de Elie Kamado. Vous voyez bien, c'est sa page. Et voici le poste qu'il a mis il y a 2 jours de cela. Voici ce que Elie dit. On va descendre sur vous et vous arrêter si vous continuez le tournage du clip. Voilà. Tels sont les mots d'un inconnu au bout du fil vient d'adresser à mon réalisateur. Vous avez compris? Ça, c'est encore un poste de lui-même. Voici ce que Elie dit. Lorsqu'ils sont arrivés, on les a confiés notre destinée. Sans vouloir hypothéquer l'avenir de la patrie, on s'est ralliés. L'espoir était si grand. On a tous déconné, monsieur le président. L'espoir était si grand. Nos promesses ont été emportées par le vent. L'espoir était si grand. On a si vite parlé et si vite oublié. On est mal barré. Attention, ça tourne. Je crois que ça, ça veut dire tout et c'est fort. C'est pourquoi moi, je dis toujours, moi, je suis quelqu'un, je pardonne. En tant que croyant, je pardonne. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas m'attaquer aux gens de futilité. Tous les grands soutiens du CNRD sont en train de faire défection. C'est pour vous dire que cette transition a échoué. Vous savez, au départ, on entendait esprit CNRD, esprit. Vous entendez cela encore? Non. Natambarada, la Guinée-Ka. Je vous dis aujourd'hui, les Guinéens, je ne dis pas là, les gens ont peur de s'exprimer. De toute façon, nous, nous sommes libres ici aux États-Unis de parler. Inu Naraba, vous allez voir, le lendemain, ils sont devant ta porte. Ils vont te prendre comme ils l'ont fait pour les Guido Fulbe, les LCC. Mais le temps nous a donné raison. La Guinée-Ka, le Guinéen aujourd'hui, je dis bien, 99% aujourd'hui, même les membres du gouvernement, ce n'est pas parce que l'administration, c'est une continuité. L'administration n'appartient pas à Mamadi Doumbouya, ça n'appartient pas à sa famille. Ça appartient à tous les Guinéens. C'est pourquoi nous partons à l'école. Un directeur n'a même pas besoin de se plier ou quoi. Il a étudié pour ça. Donc, il mérite son poste. Mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons créé ce pouvoir-là. C'est-à-dire, Mamadi est devenu un roi. En quelque sorte, on pense que toutes ces décisions sont les bonnes. Et on a rappelé à ces gens-là, si vous ne démissionnez pas dès maintenant, que ce soit les ministres, les directeurs, les hauts cadres, vous restez là. Parce que ça va mal se terminer. Je vous ai dit, Mamadi est mal barré. C'est pourquoi il prend la drogue actuellement. Il a tellement de soucis. Aujourd'hui, le pays, il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, ça dit, il veut faire des grandes choses pour encore avoir la confiance du peuple. Il va le faire comment? Avec ses salives? Non. Vous avez vu, ils ont tout mis sur le projet Simandou. Ils veulent tout mettre sur Simandou. Qu'on dise, ah, Mamadi est venu. Mais les gens oublient. C'est pourquoi je le rappelle chaque fois ici, dans mes vidéos. Le projet Simandou employait 11 700 Guinéens. Mais lorsque les bandits sont venus, ils ont bloqué tout. Ils ont envoyé 11 700 Guinéens au chômage. C'est pourquoi quand on voit le taux de criminalité aujourd'hui dans nos grandes villes, c'est là, c'est les conséquences directes. Mais les putschistes, j'ai vu une vidéo de propagande que l'accord Simandou, c'est Mamadi. Ah, le Guinéen. Koyani, Yeboa, Ibendiama, Isenatadia. Le Guinéen oublie vite. Le projet Simandou, là, était vendu. Avant, à 100 et quelques. Le franco-juif, le milliardaire, Bernie Steinmetz. Depuis le temps de feu général, là, ça n'a compté.
l'un des ex-ministres de feu général Lansana Conté, paix à son âme, est en prison, a fait la prison, je ne sais pas s'il est sorti maintenant ou pas. L'ancien ministre des Mines a fait la prison aux États-Unis ici pour le même dossier de corruption qui ont reçu de l'argent. La petite femme de Lansana Conté aussi, pareil. Celui qui est venu. Et Bernice Taimet a menacé la vie du président, c'est-à-dire le pouvoir du président Fakonde, que s'il allait en procès contre lui, qu'il n'allait pas faire 6 mois au pouvoir. Mais après le coup d'État, c'est pas l'équipe de Bernice Taimet n'a pas rendu visite à ces bandits-là à Conakry. Donc, c'est grâce au pouvoir du président Alpha Condé, grâce à ses relations, que Bernice Taimet a perdu le procès contre la Guinée. Simando, qui a été acheté à 100 et quelques millions, on parle de plus de 20 milliards. Quand je vois un ancien rappeur comme Djiba Diakité, il faut parler de la vision, nanani, nanana. Simando, c'était un rêve, c'est devenu une réalité. Des bandits comme vous, vous étiez là. Le procès, c'est vous qui avez gagné. Bande de malhonnêtes. Vous pensez que si vous, vous étiez face à Bernice Taimet, vous pouvez gagner ce procès-là. Vous pouvez gagner ce procès. C'est pourquoi quand j'entends ces malhonnêtes-là, un ancien rappeur comme ça, toi tu as échoué dans le rap, tu étais couché en France, même travailler à la mairie, même nettoyer, même être un simple balayeur, en France tu ne l'as pas fait. Des vagabonds professionnels qui se levaient le matin, allaient s'asseoir dans les cafés. Mamadi devient président, c'est lui, cet ancien rappeur, qu'on prend pour piloter l'affaire de Simando. Et on fait perdre beaucoup d'emplois. Et le chemin de fer, qui avait signé? Ça dit, ah la Guinéka, ah la Guinéka, Fisri Lombalia, nanana Moufora. Fisri Lombalia, nanana Moufora. Vous pensez que vous pouviez faire face à Bernice Taimet pour pouvoir retirer ce projet? Et regardez comment vous traînez aujourd'hui ce projet. Combien de familles aujourd'hui? Combien de familles? Vous savez, ils viennent de prendre une décision. Mais au temps du président Alpha Condé, je vais vous donner les raisons. Parce que le CNRD ne donne pas de raisons. Mais au temps du président Alpha Condé, pourquoi l'État prenait des décisions de chasser un peu ceux qui exploitaient de l'or de façon traditionnelle, l'exploitation traditionnelle de l'or. Pourquoi on les chassait à un moment donné dans les mines? Vous savez, quand vous partez vers la Haute-Guinée, spécialement vers la Haute-Guinée, les gens ont abandonné les travaux champêtres juste pour l'affaire des mines et autres. Ce qui fait qu'il y a la rareté des darés, beaucoup de choses. Et ça, c'était une politique au temps du président Alpha Condé. Ce n'était pas méchant. C'était de pousser la population à aller faire des travaux champêtres. Mais le CNRD, ils ont pris la décision. Nous, on a parlé. Il n'y a pas de raison. Il y avait des campagnes de sensibilisation à tout cela. On ne vous chasse pas, vous allez revenir. Mais allez voir Sénéke. Sénéke, là, Diamana Mikono, Dominique Diamana Okonobake. Mais ils ont pris la décision, sachant que combien de Guinéens aujourd'hui, fonction publique, 18 500 personnes assises aujourd'hui. C'était des pères de famille. Quelqu'un qui travaille à la fonction publique pendant 30 ans, sachez que c'est un père de famille qui a de 1 jusqu'à 5 ou 10 personnes à nourrir. Et quand vous les coupez leur salaire, vous savez ce que c'est, l'impact déjà. Et Simando prenait 11 700. Les EPA aujourd'hui, combien de EPA suspendus? Combien de projets aux arrêts? Les activités, le port. Je vous ai donné les chiffres la dernière fois. Les recettes. C'était plus de 16 milliards, plus de 16 milliards. 16 milliards. Attendez, il y a le maudit là, je vais d'abord suspendu. 16 milliards. 16 milliards de nos francs par jour, le port. Aujourd'hui, même 6 milliards, ils ne peuvent pas le faire. Les opérateurs économiques,
des gens qui pouvaient faire venir 3 containers. Même un conteneur, ils ne peuvent pas le faire. Par la politique de qui? La faute de qui? De ces vauriens. Pardon, et Itachi, ne répondez pas à cet imbécile-là. Pourquoi vous le répondez? Fofana Denis, je vous ai dit, quand ils viennent, c'est eux qui écoutent. Moi, je n'ai rien dit ici que les Guinéens ont vu le contraire. Voilà. Donc, par la faute de ces bandits-là, aujourd'hui encore, la décision a été prise de fermer ces mines. Mais je l'ai dit, il y avait des campagnes de sensibilisation au temps du président Alpha Condé. Les dire, allez-y vers la terre et on les donnait des engrais. Tous les Guinéens sont informés de ça. On donnait des tracteurs, on les donnait des tracteurs, on les donnait de l'engrais, on les donnait de tout ce dont ils avaient besoin pour aller travailler la terre. Mais quand vous venez comme ça, vous prenez ce genre de décision. Quand on dit l'État, c'est la continuité. Mais marchez sur la trace de vos prédécesseurs. Ce qui était bon, vous continuez sur ça. Et si vous devez faire plus, vous faites. Vous avez vu au Burkina, eux qui n'ont même pas assez de terres cultivables. Vous avez vu la campagne agricole. Ibrahim Traoré a mis plus de 70 milliards de francs CFA. 70 milliards. Allez-y, tapez sur les réseaux sociaux. Tapez Burkina Soliman. Campagne agricole. Vous allez voir le montant. Vous allez voir les équipements. Ce qu'ils ont fait là-bas. Mais vous ne faites rien de ça. Qu'est-ce que vous avez donné aux gens pour aller travailler la terre? Vous venez les endroits où ils se débrouillent pour nourrir leur famille. J'ai parlé des vendeuses. Elles gagnent un peu. Les transporteurs, les mototaxis. Qui transportent les gens des villes dans les villages. Et aussi ceux qui extraient de l'or. Vous venez, vous envoyez toutes ces personnes au chômage dans un pays où déjà les gens sont fatigués, où rien ne va du tout. Je vous dis, il faut réfléchir la tête des décisions bidons souvent là. Ce n'est pas bon. Il faut réfléchir. Albraka décision Kuntando Lutala, Alial Si, Alial Miri, Ambra décision Mitala, à conséquence directe du Yéjumaï. Quel est l'impact sur la population? Sur la vie des gens. Mais vous ne le faites pas. Vous voulez copier les autres, comme je vous ai dit. Avant que le gouvernement du président Alpha Condé ne prenne des décisions, ça c'était pour des courtes durées, pour fermer ces sites, c'était de les pousser parce qu'ils viennent des villages pour aller travailler la terre. Il pleut actuellement, non? Mais qu'est-ce que l'État a fait? On a vu pour le Sénégal. Tout le monde a vu les tracteurs au Sénégal. Tout le monde a vu les tracteurs du côté du Burkina. Mais le CNRD, quel programme vous avez mis en place? Hein? La saison agricole, qu'est-ce que vous avez apporté? Après avoir utilisé les tracteurs que les autres avaient achetés, vous avez fait votre démagogie dans ça. Je vous ai dit, vous n'avez pas l'art, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de vision. Vous n'avez aucune vision. Non, vision, t'as la fio. C'est ça le défaut, c'est ça le problème. Tous nos problèmes aujourd'hui, c'est ça. Si un revendeur de pièces, de casse, devient aujourd'hui administrateur, directeur, qui n'a pas d'expérience, n'importe qui ne devient pas directeur d'un département. Bête que la directeur y est. Bête c'est que la ministre y est. Mais bête c'est que la directeur y est. Et dans le directeur Camino Ministre Malo, parce que à le département Mina, il a commencé de A jusqu'à Z. Il a tout appris, il a la maîtrise. Mais aujourd'hui, même leurs copines sont des directrices aujourd'hui. Même leurs copines, elles n'ont rien dans la tête. Elles encore, c'est leurs assistants qui les aident là-bas. Donc, franchement, il faut laisser ces familles-là. Si tout ce que je viens de dire là, vous n'avez rien à les donner pour aller travailler la terre, laissez ces gens-là se débrouiller dans les mines là. Si vous n'avez rien à les donner, Altena Dabadilaluma, Altena Angredilaluma, Foy Foy. Et on va encore parler parce que eux-mêmes, je les ai dit, ils n'ont pas compris.
les étudiants guinéens à l'étranger. Damaro, il faut parler de notre cas. Il faut leur dire de payer nos bourses. Ils vont payer comment? Les gars, l'argent là, ça ne quitte pas à l'étranger là-bas, ça quitte en Guinée. Les enseignants contractuels, ils ont 10 mois d'aérer avec l'État. Ils ne sont pas payés. 10 mois. Aujourd'hui, dans les départements ministériels, on ne parle même plus de primes. Vous savez, primes de carburant, congés, ainsi de suite. On n'en parle même pas. C'est seulement les militaires, les forces spéciales et autres, là, ceux qui ont les armes. Là, là on paye leurs primes. Mais dans d'autres départements aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, ce que je vais vous dire, débrouillez-vous. Hein. Commencez à vous débrouiller. Commencez à chercher des boulots dans les restaurants là-bas. Même si on ne vous paye pas, si vous trouvez à manger dans ces restaurants, c'est ce que je vais vous dire. Parce qu'il n'y en a pas. Au moins, s'il y avait et que l'État refusait, j'allais vous dire, hé, hey, il faut payer. Il n'y en a pas. Le CNRD, je vous ai dit, c'est des incompétents. Les étudiants guinéens, les boursiers là à l'étranger, Yako. Yako. Appelez vos frères, hein, ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, quelque part là, pour vous aider. Mais même si on parle, on chante, on fait quoi? C'est naga nameni. Ka se nana, ino mafalade, ade waso eira. Mais kamuna, naga muna, ino mafalade, waso eira. S'il n'y en a pas, est-ce qu'on peut on peut dire, il faut donner. Moi-même, je sais qu'il n'y en a pas. Les caisses sont vides aujourd'hui. Facturées d'or et bourrées. Bon, nananaki, conséquences nananaki. Ça, ce sont les conséquences du coup d'État. Ils sont venus vous tromper ici. Lorsque vous, certains boursiers partaient, Mamadi a pris le drapeau. Vous êtes l'avenir de demain. Avenir de demain, vous les assurez. Ome Mali, ma cesse. Nenu Gerrande, qui est moufini, ma aigri nanana. Ils ne vont pas devenir des voleurs. Ils ne vont pas dire que le pays les a volés. Ils ne vont pas venir voler nos fixes et partir. Donc, que Dieu nous aide. Hein. Je vous dis, on est mal barré. On parle des étudiants. Et vous regardez les ambassades aujourd'hui. D'abord, Maurice Sanda est venu. Il a augmenté le nombre des travailleurs. Et aujourd'hui, beaucoup sont là-bas. On a créé des postes n'importe comment. Communicant quoi, secrétaire quoi, chargé culturel, chargé nanani, nanana. On a créé tous ces postes. Quand vous regardez d'autres pays, eux, chaque jour, ils ne font que supprimer certains postes. Parce que ça dépasse, ça coûte beaucoup. Mais sous le CNRD, le nombre de diplomates a augmenté. On a vu des journalistes. Tous qui ont été nommés par hasard. Donc, même ces diplomates-là, ça fait près de 2-3 mois, ils n'ont pas de prime. Imaginez des gens qui vivent à l'étranger. Mais demandez au temps du président Alpha Condé, wallahi, on les avançait 3 mois de prime. Demandez-les. Ça dit, quand on vient, on insulte un gouvernement. Que mauvaise gestion, ils ont fait ceci, cela. Et comment ces gens-là s'arrangeaient? Et comment le gouvernement du président Alpha Condé, malgré Ebola, Covid, la crise politique, tout, comment ceux-là se sont arrangés? Ils ont volé l'argent, ils ont fabriqué l'argent pour pouvoir payer tout ça. Imaginez, même les élections que le président Alpha Condé a organisées en 2020 avec des fonds propres. Et comment le président, quand les bandits disent aujourd'hui, ah non, nous on va lutter contre la corruption. Mais aujourd'hui ils sont en train de pleurnicher que d'autres les donnent de l'argent. Et pourtant ils disent qu'ils sont panafricanistes. Vous êtes incapables de gérer votre pays. Le pays est dans vos mains. La gestion. Vous êtes à la tête, pourquoi? Pourtant vous avez enlevé des gens. Quoi qu'on dise, qu'on parle de troisième mandat ou quoi, mais la gestion du président Alpha Condé, est-ce qu'on peut comparer à ces bandits-là? Est-ce qu'on peut comparer la gestion avec ces bandits-là? On parle d'alternance. Tout ça, c'est pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Changement, voilà, on ne doit pas dépasser deux mandats. Tout ça, le résultat, c'est pourquoi? C'est la bonne gestion. Il y a des pays aujourd'hui, des royaumes. Mais ce qui est revendiqué, c'est la gestion. Quand ça ne va pas, les gens sortent. Changeons de président, tout ça, c'est pourquoi? C'est la bonne gestion. Mais vous les avez enlevés. Vous avez apporté quoi aux Guinéens?
Voici. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est dans le regret. Tout le monde est dans le regret. On disait non, voilà, ça n'allait pas. C'est pourquoi on disait ici, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Donc, leur position face au président Alpha Condé, troisième mandat, ils sont derrière, ça leur droit. Mais la gestion, où était la Guinée avant le 5 septembre et aujourd'hui, la capitale était éclairée, il y avait la lumière. Mais aujourd'hui, allez-y à Conakry, c'est le noir total. La fonction publique, vous sentez, vous partez en Guinée, dans les départements ministériels, vous sentez qu'on avait des cadres. Le pays était en marche. Mais allez-y aujourd'hui, on dirait des fantômes, des cimetières. Allez-y au port de Conakry aujourd'hui. On dirait que c'est des cimetières. Allez-y dans les grandes villes, Azerekore, Kankan, Labé. Allez-y la journée, vous allez voir. C'est comme si c'est des villes fantômes. Il n'y a pas d'activité. Je vous ai parlé, le port de Conakry. L'activité, les Ivoiriens venaient, les Maliens, les Burkinabés. Parce qu'il y a des véhicules même qui étaient l'année. Il y a des années, c'est-à-dire c'est interdit en Côte d'Ivoire. Ceci-là s'est débrouillé à passer par la Guinée. Des marchandises qui passaient le port de Conakry, l'activité. Je vous ai dit les chiffres. 16 milliards, plus de 16 milliards. Nous sommes aujourd'hui à 6 milliards. Et même les 6 milliards, c'est tout un problème. Et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et même l'argent du port, c'est où? On envoie à la présidence. Ça ne part pas dans les caisses, c'est eux-mêmes qui décident là-bas. C'est-à-dire, ils gèrent la Guinée comme une entreprise privée, comme si ça les appartient. Ils font de nos recettes comme ils veulent. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Et on est dans tout ça, je vous ai dit, c'est la dette. Les banques, vous avez... La dernière fois, quand ils avaient pris une forte somme, vous étiez tous témoins de ça. Les médias ont parlé des 500 millions de dollars qu'ils ont pris auprès des banques. Mais aujourd'hui, demandez, allez-y demander. Les chiffres aujourd'hui, c'est combien? Nous sommes au-delà de 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous avez enlevé les autres qui ont annulé la dette. Le pays était sur la voie de l'émergence. Des grands projets que vous-même vous êtes venu trouver, Bambeto, tous ces grands projets, c'était les autres. Le pays était sur la voie de l'émergence. Et c'est l'émergence-là que vous avez freiné complètement. Vous avez bloqué le pays sur tous les plans. Vous n'avez pas le niveau. Olé Folaliana, vous ne comprenez pas. Et au fur et à mesure que vous insistez, je vous jure que vous aggravez votre cas. Parce que le 31 décembre, les politiques, ils vous ont dit qu'il n'y aura pas de glissement. Et lorsqu'ils vont appeler à des manifestations et qu'il y a mort d'homme, vous serez les seuls responsables. Ça, c'est leur métier. C'est pourquoi on dit la politique aux politiciens. Vous, vous êtes des militaires. Les militaires, c'est dans les casernes. Si le pays est agressé, vous portez vos tenues, vous prenez vos armes, vous partez, vous défendez. Mais ce n'est pas dans les bureaux. Ce n'est pas au palais. C'est dans les camps militaires. Un militaire, c'est au camp militaire. Ce n'est pas dans les palais. C'est pour les civils. C'est pourquoi vous-même, vous avez créé une école, non? Je ne sais pas le nom de l'école militaire. Est-ce que quand ils vont sortir, ils doivent devenir des ministres? Non. Ils deviennent des colonels, des sergents, ainsi de suite, pour aller. Mais, je dis, vous n'effrayez personne. Nous sommes tous témoins du procès du 28 septembre. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de juger les dadistes. Déjà, on commence même à parler de 30 ans pour les dadistes, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui a créé ça? Vous êtes sur les mêmes traces aujourd'hui. Vous êtes sur les mêmes traces. Donc, ne pensez pas que vous effrayez quelqu'un. Voilà. Britannique militaire, merci Mamadou Ba. L'école que vous venez de créer tout récemment, ce n'est pas des économistes. Voilà. Donc, vous n'allez pas prendre la place des autres. Vous devez retourner dans les casernes. Et dire que non, vous êtes fort. Amara, Bala, Idi Amin, Doumbouya. Je jure,
si vous ne changez pas. Et que les leaders... Déjà, vous avez vu les syndicalistes de la presse. Ils veulent aller encore en grève. Et ça, ce n'est pas bon pour vous. Même l'image du pays. Je vous ai dit, tant que vous êtes là, les institutions là, ne vont rien vous donner. Parce qu'il n'y a pas de climat de confiance. Peut-être qu'on pouvait vous donner un peu d'argent. S'il y avait un climat de confiance, la volonté d'aller au retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, les Dadis, les Sekouba Konaté n'avaient pas les mêmes problèmes que vous, vous avez aujourd'hui. On vous refuse tout. Parce qu'on sentait à Sekouba Konaté qu'il avait la volonté de partir. Et donc, quand vous dites que l'État, c'est la continuité, donc les gens ne craignent pas de venir donner. Mais regardez-vous aujourd'hui. Partout où vous partez, on ne vous donne pas. Même lors de la Guinée, dans les comptes de JP Morgan, malgré que vous avez pris des avocats, l'actuel gouverneur de la Banque centrale, Kaba, il était tout récemment à Paris. C'est-à-dire, moi, quand je dis que vous êtes un gouvernement de voyous, c'est ça. Même quand vous sortez pour parler au nom de la Guinée, vous ne voulez rien dire aux Guinéens, vous pensez que c'est privé. Et c'est comme ça, on vous juge, on vous prend pour des bandits, pour des voyous, pour des gangsters. C'est pourquoi l'affaire de l'or, les 3 tonnes d'or, là, vous avez fait les démarches. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous n'êtes pas un gouvernement légal. Vous ne respectez pas les procédures. C'est pourquoi vous avez échoué dans ça. Le gouverneur est rentré bredouille. Vous avez dépensé combien d'argent? Combien vous avez donné aux avocats français pour défendre la Guinée? Mais vous avez échoué. À partir de là, vous devez comprendre que tant que vous êtes là, vous êtes en train d'aggraver nos souffrances, nos peines. Il y a des Guinéens aujourd'hui, ils peuvent être des diplomates, ils peuvent aller décrocher des contrats, des grands projets pour la Guinée. Mais qui va venir aujourd'hui investir en Guinée dans ce climat de désordre? Vous n'êtes pas d'accord avec les leaders politiques. L'instabilité totale dans le pays. Je vous ai parlé de l'un des représentants de la Banque mondiale, chargé de, je crois, de... J'ai oublié son poste là. Mais... La dame a été ligotée en Guinée. Responsable de la Banque mondiale en Guinée. Braquée, ligotée. Ça, c'est des institutions, ça, qui vous aident. Vous pensez que ceux-là vont venir faire quel projet en Guinée? Ou qui va aller monter un projet que ceux-là vont dire, non, en Guinée, il y a la sécurité. Donc, tout ça, ça ne vous dit rien. Tout ça, ça ne vous dit rien. Je vous ai dit, on peut négocier pour vous. Ousmane Yara, c'est un ami de la Guinée comme du Sénégal, l'homme d'affaires malien là. Contactez Ousmane Yara. Si vous voulez, il peut négocier pour vous. Alpha Condé va revenir. Si vous avez peur de ça aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le contacter. Il va négocier le candidat du RPG et le candidat de l'UFDG. Il est ami avec tout le monde. Vous allez dire, vous allez organiser des élections. Comme ça, ils vont vous donner des garanties après pouvoir comment vous allez sortir l'argent que vous avez volé là. Vous allez aller manger ça. Mais dire que vous allez insister, vous allez forcer la situation. Wallahi, vous allez tout perdre. Billahi, vous allez mourir comme Robert Guéhi ou vous allez mourir comme Samuel Do ou vous allez terminer comme le président du Libéria, Charles Taylor, qui se retrouve à la Cour pénale internationale, en prison à vie. Si c'est l'option-là, soit mourir comme Robert Guéhi, que vous voulez, ou terminer comme Samuel Do, insistez. Insistez. Le dernier mot revient, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous ai dit, l'arrogance, ça conduit à l'échec. Mais comme vous n'avez pas compris, continuez. Moi, c'était la folle alignée. Ce que je vous ai dit là, ne choisissez pas, continuez.